Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Bitfobox du mois d'octobre 2017. Donc, ça se présente comme ceci. C'est comme un petit sac à main. Voilà, il y a la chaîne autour là. Et puis à l'arrière, il y a un petit cœur. C'est comme un léopard. Voilà. Alors, à l'intérieur. Alors, l'autre jour, j'avais dit que c'était la première fois que j'avais reçu un shampoing sec Baptiste. Donc, je pense que c'était dans la Glossy Box. Alors, deux maintenant. Bah bon, ça ne me dérange pas. J'aime bien. J'aime bien. Pas trop pour le fait que ce soit un shampoing sec parce que j'ai pas vraiment besoin. Mais j'aime bien les odeurs. Donc, ça rafraîchit les cheveux et ça, pour moi, ça donne un joli odeur. Ça, c'est Wild, donc ça va très bien avec la box. Mais ça va, c'est pas mal, c'est parfumé. Je sais pas dire quelle odeur ça, parce que l'autre, c'était cerise. Bon, ça sentait la cerise. Ça, c'est Wild, donc ça sent pas le parfum. Voilà. Alors, aussi, on a eu ceci, un pince à plis avec un poil de mon chaton dessus. Voilà, donc un petit pince à épiler comme ça. Donc ça c'est toujours utile, très bien. Et puis il y a le petit, je pensais que la box allait tomber, le petit pochon. Donc à l'intérieur il y a mon liner Wildcat de Mark Joyce. Alors, ça c'est un petit liner comme ça. Voilà, on fait autre. Bon, je les utilise pas très souvent. Bon, j'en ai eu il y a 2 mois, je pense, dans la Glossy Box, ou le mois dernier, je sais plus. Le mois dernier, c'était en septembre. Dans la Glossy Box, bon, c'était la première fois que j'avais un liner comme ça. Donc, mais bon, j'en ai pas besoin de deux. Mais ça, c'est pas leur faute. Hein. Donc voilà, pas grave. Après, de Manacadar. Donc ça, est comme ça, voilà. Manacadar Beauty, c'est ouais, encore un mascara comme d'hab. Il y a toujours des mascaras dans les box, c'est affreux. Bon, la brosse elle est bien, j'ai pas encore essayé, c'est tout petit, mais bon, c'est vrai que c'est toujours utile un mascara, mais changer de couleur, arrêtez de mettre du noir à chaque fois parce que c'est ça en fait qui me gâte. C'est pas le fait d'avoir des mascaras, c'est d'avoir les mêmes couleurs tout le temps et toutes les box font la même chose. C'est noir, 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 noir. Voilà. Pas bref, pas grave. Je vais pouvoir l'utiliser quand même. Alors après, il y a le Jelly Pong Pong Caribbean Sun. Donc c'est un bronzer duo. Si j'y arrive à l'ouvrir. Que ça peut pas. Bon, c'est déjà, j'arrive pas à. Ouais. Je l'ai déjà ouvert, donc voilà. Je ne voulais pas s'ouvrir. Ouais, donc, ça se présente comme ceci. Voilà, Jelly Pong Pong. Et c'est très similaire on a eu un blush et un highlighter pendant l'été. Voilà, c'est comme ça. C'est pas super pigmenté en fait, hein. Même voilà, ça se voit pas trop. Bon, ça c'est le chez maman. Ça c'est un visage. Et ça c'est le bronzer. Le bronzer là et le blush là. Ils sont pas hyper foncés, mais bon, ça me va parce que j'aime pas que ça soit trop sur le visage non plus, donc. Voilà, très bien. Et en fait, c'est So Susan aussi. Ça dit, c'est Jelly Pong Pong, So Susan. Mais So Susan, c'est américain, je pense. Et Jelly Pong Pong, je pensais que c'était britannique. Mais peut-être pas. Mais si, c'est fabriqué en Angleterre. Donc, je sais pas. Voilà, c'est peut-être une collaboration entre les deux. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est ce vernis à ongles. Framboise. Ouais, je suis ravie. Je sais qu'il y avait aussi des fards à paupières. Et vu que j'achète des grandes palettes de fards à paupières,
c'était pas nécessaire, voilà. Et c'est comme ça. Donc, ouais, je suis plutôt contente d'avoir ça. J'aime bien la couleur. Maintenant, il faut faire repousser mes ongles parce que ils n'arrêtent pas de casser. Donc, voilà, pour l'instant, j'en mets pas, mais voilà, j'aime beaucoup les vernis à ongles. Donc, voilà. Donc, la présentation de cette box est terminée. Je n'ai pas encore reçu ma box de septembre, The Beautiful Box, parce que, en fait, le facteur dit que ça a été livré, mais moi, je ne l'ai pas reçu. Donc, ils vont m'envoyer un autre exemplaire, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, voilà. Et je pense que ça, là, sera peut-être, sauf si la box du mois prochain a l'air super, ça sera peut-être ma dernière box de Beautiful Box pendant quelques temps. Parce que j'ai pris un abonnement à Birchbox aussi. Il y avait une offre pendant 2 mois, on paye 1 mois et voilà. Donc je vais peut-être essayer ça jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, je vais arrêter la Beautiful Box pendant quelques temps et puis je vais peut-être reprendre après. Mais c'est vrai que quand on prend les mêmes box tout le temps, on a des répétitions. Et surtout quand on prend beaucoup de box, je n'ai pas mal de box et je prends 5. Donc, je commence à avoir des choses en double, voire triple. Donc, voilà. Bon, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, etc. Voilà. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.